Hey tout le monde, c'est Shan The Chérie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire. Car aujourd'hui on va faire la fameuse vidéo sans idée d'idées cadeaux de Noël à offrir ou à demander pour votre wishlist. Donc j'espère en tout cas déjà que cette vidéo va vraiment vous aider. Je pense ne pas t'en dire plus et on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo, c'est parti. Comme d'habitude, on se munit du téléphone pour un peu se souvenir de ce que je dois dire parce que ça fait beaucoup de dire à peu près 100 choses. Donc j'espère que honnêtement cette liste va englober un maximum de budget, un maximum de personnes. J'essaie de faire des choses archi diverses et variées. Mes sources sont des vidéos YouTube que j'ai déjà vues ou internet. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc absolument pas d'ordre, comme ça c'est plus simple pour vous. Bref, alors en première idée de cadeau de Noël, c'est tout simplement une bougie. Il y a tellement de bougies. Avant il y avait les Yucking Candles, ceux qui se souviennent. Il y a les bougies aussi avec plein d'odeurs différentes, genre en fonction des odeurs préférées des personnes avec qui vous voulez offrir une petite bougie, parce qu'il y a toutes les tailles de bougies, toutes les couleurs, tous les... Bref, ça franchement c'est à votre guise, comme vous souhaitez. Ensuite, une plante, que ça soit une fausse plante ou une vraie plante, ça fait toujours plaisir de recevoir des plantes ou des fleurs. Et honnêtement, moi j'adore recevoir des fausses plantes ou des plantes grasses, parce que au moins sûr que la personne n'a pas besoin de s'en servir et n'a pas besoin non plus l'arroser souvent. Un carnet ou du moins un bullet journal ou ce genre de choses, parce que c'est pratique, parce qu'au moins tu peux tout le temps écrire ce que t'as envie de mettre dedans. Clairement tu écris ce que tu veux, ce que tu souhaites, et ça c'est pratique. Coussin ou du moins un oreiller, bref, il y a tellement de coussins de toutes les formes, toutes les couleurs, personnalisés ou non pour l'intérieur, bref, il y en a tellement. Un calendrier, que ce soit un calendrier de l'avant ou sinon que ce soit le calendrier 2023, parce qu'on a tout le temps besoin d'un calendrier pour un peu se projeter dans les dates, c'est super pratique. Honnêtement, un calendrier, on adore. Un livre de recettes, si la personne aime beaucoup cuisiner ou ce genre de choses, au moins toujours avoir un petit livre de recettes, que ce soit sucré ou salé, au moins tu peux faire plein de petites choses pour te faire plaisir. Une figurine pop, j'adore les figurines pop, que ce soit Funko Pop ou non. J'en ai plusieurs, je dois en avoir à peu près une dizaine et honnêtement j'adore, je trouve ça trop mignon. Dites-moi si vous êtes partie de la team qui garde dans son emballage ou vous le sortez de l'emballage, parce que moi ça dépend. Ensuite une montre, que ça soit une montre connectée ou non, mais tu vois une montre c'est trop joli et on a tout le temps besoin parce qu'on veut tout le temps savoir l'heure, donc on adore. Un jeu vidéo, en particulier Animal Crossing, ou sinon un jeu vidéo pour n'importe quelle console, bref un jeu qui fasse plaisir à la personne. Du gel douche, non pas que la personne sente mauvais, mais il y a tellement de gel douche, genre les Yves Rocher ils sont tellement bons, les Cottage, ceux qui s'en souviennent ça date hein. Mais honnêtement j'adore avoir des gels douches qui sentent trop bon, des trop bonnes odeurs, donc ça on valide. Ensuite du parfum, ça peut être n'importe quel type de parfum, il y en a qui sentent super bon. Après la personne peut mal le prendre en se disant je pue. Non, c'est juste que ça fait plaisir. Du maquillage, alors soit faire un restock du maquillage qu'on a déjà, donc réacheter les mêmes mascaras, ça fait plaisir. Ou sinon des nouvelles palettes, de nouvelles choses comme ça, ça fait toujours trop plaisir et moi j'adore. Des crèmes, que ça soit crème pour les mains, crème pour le visage, crème hydratant, crème en mode soin et tout, qui n'aime pas. Du vernis, vernis transparent pour fortifier les ongles, du vernis de couleur, parce qu'honnêtement il y a tellement une déclinaison de couleurs qui existe qu'il n'y en a jamais assez. Des chaussures, ça peut être des petites bottes, des bottines, ça peut être des baskets, enfin vraiment n'importe quelle chaussure qui fasse plaisir à la personne, et demandez-lui bien sa taille de pointure s'il vous plaît avant. Des rangements, il y en a plein à Ikea, soit des rangements pour les bureaux, pour mettre des affaires dedans, pour mettre ses fournitures, bref tellement de choses. Un truc que j'adore c'est le chocolat. Qui même n'aime pas le chocolat, surtout à Noël c'est là où on achète le plus de chocolat, et non c'est même pas à Pâques, c'est vraiment à Noël où on a plus de chocolat, donc franchement vous pouvez vous faire plaisir. Des colliers comme celui-ci par exemple que je trouve trop mignon. Ah bah il est même pas dans le bon sens, mais bon bref, un collier s'il est dans le bon sens ça serait mieux, mais c'est pas grave. Donc ce genre de petits bijoux on adore. Sinon j'ai marqué un bracelet, donc ça peut être des petits bracelets en perles ou des petits bracelets faits main avec des petits. Sinon il y a les bagues, donc moi j'ai par exemple une bague faite par une abonnée, trop mignon. Des gants, les gants avec si possible le gant tactile ou des moufles parce que l'hiver il fait super froid. Sinon il y a des petites pochettes, donc tu peux acheter une pochette genre pour faire joli, une petite pochette en mode sac à main, vraiment plein de petits trucs comme ça. Un mug, tout le temps avoir besoin de mug, les bons chocolats chauds ou autre. Chargeur de téléphone, oh mon dieu, si possible le Apple ou du moins celui qui s'en rapporte avec le téléphone, parce que ils achètent les contrefaçons et tout, mais ça fonctionne jamais, je comprends rien. Donc vraiment un chargeur de téléphone parce qu'on les perd, on en a jamais assez. J'espère ne pas être la seule parce que honnêtement ça m'arrive tout le temps. Sinon eh bien vous pouvez offrir des photos souvenirs que vous avez pu avoir avec vos proches, etc. Ça fait tout en plaisir et honnêtement on n'a jamais assez de photos et quand tu les regardes tout de suite ça fait tellement plaisir. Sinon un Polaroid, donc c'est un appareil photo qui date mais c'est revenu à la mode, mais maintenant c'est plus à la mode, mais maintenant ça coûte super cher. Donc des boules de bain, j'adore les boules de bain, il y en a tellement plein. Ça peut être à Nature et Découverte, à Lush, il y en a plein, enfin vraiment il y a plein de boules de bain, il y en a super cher maintenant, mais toutes les couleurs, toutes les formes, on adore. Un terrarium, donc c'est des plantes dans un verre, mais c'est trop stylé, ça demande pas non plus trop d'entretien je crois et ça fait trop joli dans l'intérieur, donc honnêtement pourquoi pas. Un plaid, un bon plaid d'hiver qui ne dit pas non, honnêtement on aime tous les plaids, surtout quand ils sont bien chauds, bien rembourrés. La décoration, que ce soit la décoration d'intérieur, d'extérieur, juste
pour décorer, pour meubler notre intérieur. Des lumières, alors que ce soit des lampes guirlandes, tout ça, ou que ce soit juste une lumière, un lampadaire, réverbère, tout ça, enfin tu vois, des petites décos. Ça fait toujours plaisir et ça rend tout mon intérieur trop joli, ou sinon t'as les lampes néon, trop stylées. Un pyjama, ça c'est le cadeau par défaut que ma grand-mère me fait. Mais les pyjamas, on n'a jamais assez et c'est trop pratique. Et personne ne dit non. Les pantoufles, après c'était pas les pantoufles, c'est les grosses chaussettes d'hiver, mais traîner à la maison, t'as pas froid aux pieds et t'as quand même un petit truc aux pieds quand même. Des chaussettes, que ce soit aussi grosses chaussettes comme j'ai pu vous dire, ou juste des chaussettes parce que qui fait partie de la team avec des chaussettes trouées, tu n'as jamais la jumelle de ta chaussette. Ça c'est ma spécialité, ou des chaussettes un peu fantaisistes et tout, trop stylé. Coque de téléphone, oui, que ce soit une coque de téléphone pour faire joli ou une coque de téléphone nouvelle parce que la tienne ne te convient plus, pourquoi pas. Des vêtements de sport, genre que ce soit une brassière de sport, un legging, un jogging, ce genre de choses, ou du matériel. Une gourde, alors Yannick, ils aiment bien les gourdes graduées pour être sûr d'avoir bien bu leur quota d'eau par jour. Arrêtez de vous boire un bidon, une jerrycan d'eau par jour, ça me dégoûte. Arrêtez. Une routine skincare, donc acheter des crèmes, des choses comme ça pour faire ta skincare ou renouveler ton stock de skincare, parce que quand on a plus, t'es bien content d'en avoir en réserve. Des produits pour les cheveux, que ce soit des huiles pour les cheveux, des masques pour les cheveux, ce genre de choses, parce que comme vous pouvez voir, mes cheveux, c'est une catastrophe en termes de sécheresse. J'en peux. Des pinceaux à maquillage, que ce soit un beauty blender ou juste des pinceaux pour se maquiller, écoutez. Un ventilateur d'ordinateur. Moi qui ai un MacBook, je vous assure qu'avoir un ventilateur pour ordinateur, c'est très pratique. Donc vraiment. Donc t'as un ventilateur pour l'été et au moins ça coûte moins cher l'hiver, notez-le. Des petites chaufferettes pour l'hiver pour te réchauffer les mains, ça fait trop du bien et honnêtement quand t'as ça dans les poches, t'es trop content. Un trépied pour téléphone et oui, ou sinon t'as les perches à selfie. Mais un trépied, par exemple là je filme avec une sorte de trépied mais vraiment fait maison, c'est très pratique d'en avoir. Peignoir, et oui, quand vous sortez de la douche, il y en a, ils aiment bien avoir des peignoirs. Moi j'en ai pas, mais chacun fait comme il veut. Des casquettes, alors avoir une casquette pour l'été, on aime bien. Ou sinon, il y a aussi les petits bobs. Les bobs, on aime bien, on va pas se mentir. Une enceinte connectée, une enceinte Bluetooth, une enceinte pour la musique, ce genre de choses, qui ne dit pas non. Un chargeur de téléphone, mais cette fois-ci sans fil, c'est plutôt pratique. T'as juste à poser ton téléphone et ça charge. Donc soit t'as avec le fonctionnement du MagSafe pour Apple, soit t'as les chargeurs plaques à induction quoi. De la peinture, de l'aquarelle, peindre, etc. Sinon aussi, quand on peint, c'est bien d'avoir des toiles blanches, donc n'hésitez pas à acheter des toiles par la même occasion. Des élastiques faits main, alors sinon ça c'est des élastiques scrunchies, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Des élastiques faits main, ça peut être pratique, ou juste réacheter un approvisionnement d'élastiques. Parce que quand on a plus sous la main et que t'as des cheveux longs, un casque Bluetooth, alors il y en a pour Apple, j'ai vu, trop stylé, mais sinon t'as des casques vraiment pas chers, donc pourquoi pas. Une GoPro pour filmer des beaux moments, des moments quand t'es en bas de l'eau, dans la neige, c'est pratique. Un miroir, alors que ce soit un petit miroir ou un miroir pour un pays, il y en a vraiment pour sur mesure, tous les goûts, pour tous les prix surtout. Ça a vachement augmenté, donc faites attention. Un lecteur vinyle, alors il y en a plein qui ont acheté des vinyles, c'est revenu à la mode depuis 3-4 ans. Voilà, c'est pas mon délire, mais je sais qu'il y en a, ils aiment trop, donc n'hésitez pas. Un portefeuille, un porte-carte, tout ce genre de choses, toujours pratique quand t'as un milliard de cartes, etc. Ça fait plaisir. Des stabilos, alors t'as les fluos qui sont fluos, ou sinon t'as les fluos, la grande lignée, la pastel, incroyable. Un bon, alors j'ai marqué un bon, mais ça peut être un bon une boutique que t'aimes, ou un bon pour n'importe quoi. Ça fait plaisir des fois, comme ça, ça fait un peu la démarche supplémentaire pour que la personne aille consommer dans ce magasin. Un massage, mon dieu, qu'est-ce qu'on aime là, les petits soins biospa, on valide. Un jeu de société, c'est pas mon délire les jeux de société, mais genre ça peut être n'importe quoi, un jeu de cartes ou un jeu très connu, très basique. Au moins tu le fais en famille ou avec des amis, ça honnêtement ça comble un peu le vide parfois et ça on adore. Une trousse de maquillage, une trousse quand tu pars en voyage, un vanity, ce genre de choses. J'ai marqué une plante, mais là ça serait mieux une fausse plante si vous avez pas du tout la main verte, ou sinon des vraies plantes, des fleurs, ce genre de choses. Des feutres, alors pas des flots, mais des feutres du style pointe fine, pointe longue, Alpe Bureau, Bureau Vallée. C'est là où je les ai achetés personnellement. Là j'ai marqué des scrunchies, donc on a une collection des grosses scrunchies, ou sinon t'as les élastiques qui abîment pas les cheveux, c'est aussi pratique. Des perles, alors ça peut être des perles petites, fines comme ça, et c'est pour faire un peu des petits bijoux. Donc par exemple comme cette petite bague qu'une abonnée m'a faite, et ça j'adore. Une ring light, donc en gros c'est le lampadaire, un peu l'éclairage rond où tu mets ton téléphone à l'intérieur. En ce moment je m'éclaire avec, voilà ce que ça donne sans ring light, donc c'est très très pratique. Un voyage, bon après ça c'est un peu pour les plus riches et pour ceux qui vraiment ont les moyens. Une peluche, une grosse peluche, sinon moi il y a la peluche nocivée de chaque année, j'aime trop. Pour les personnes qui savent dessiner, n'hésitez pas à offrir des dessins aux plus jeunes, aux plus vieux, n'importe, si vous savez dessiner et que vous avez un talent dans ça, vraiment les cadeaux faits main des fois c'est les meilleurs honnêtement. Un téléphone sinon une tablette, une console, une télé, ça je regroupe un peu en même temps, mais vraiment ça c'est un peu pour les personnes les plus aisées et tout. Mais quand les parents t'offrent une console à Noël, on est les plus heureux, on va pas se mentir. Un abonnement, que ça soit Netflix ou Disney Plus ou ce genre de choses. En plus je crois que Netflix ils ont baissé un forfait pour que ça coûte moins cher, mais tu peux voir les vidéos que jusqu'à 720p et t'as des pubs, donc ça dépend, mais sinon t'as l'abonnement plus cher. Sinon un abonnement à une salle de sport, pourquoi pas. Un pull, ça peut être un pull aussi simple que ça, c'est un nouveau pull que j'ai. Ou sinon un projecteur film pour regarder des films, ou un projecteur lumineux, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez ce que c'est, ça fait des petites étoiles trop beaux. Un appareil photo, on dit pas non. Une chaise, que ce soit une chaise de bureau, une chaise de déco,
déco ou autre, ou sinon une liseuse. Alors une liseuse pour lire des petits livres, on valide ceux qui aiment trop lire mais qui aiment pas acheter des gros livres épais comme ça. Là au moins t'as un petit livre, enfin une petite liseuse quoi. Un poster de n'importe quoi, pourquoi pas. Un poster ou bien sûr ça peut être une affiche, bien sûr. Des lunettes de soleil, que ce soit pour l'été mais aussi pour l'hiver quand tu vas en montagne, franchement avec la neige, toujours en avoir parce que sinon tu te brûles les yeux en altitude, c'est affreux. Un micro, que ce soit un micro juste pour chanter ou un micro pour en mode professionnel ASMR et tout. Je vous conseille vachement le Blue Yeti, il coûte à peu près 175€, une centaine d'euros, je sais plus du tout les tarifs mais c'est aux alentours et c'est le meilleur micro honnêtement. Un saut en parachute, oui pourquoi pas. Escape game à faire en famille ou entre amis, c'est trop pratique. Moi j'en ai déjà fait, j'aime bien. Sinon t'as aussi les laser games, ça fait très longtemps j'en faisais quand j'étais petite, la voyeuse anniversaire. Qu'est-ce que c'était bien les laser games. Par contre c'est archi crevant mais c'est tellement bien. Un gâteau, oui oui, un petit gâteau des fois ça fait plaisir. Écoutez, ou sinon alors ça se fait beaucoup je trouve, offrir du sirop à Noël, je sais pas, genre tu vois t'offres des petits coffrets, bon après il y en a qui ouvrent de l'alcool mais des petits coffrets de sirop, moi c'est ce que j'ai eu une fois à Noël et c'est trop pratique, c'est trop bon et surtout tu découvres des nouveaux goûts genre fruits de la passion, ça peut être un peu bizarre mais des fois trop bon donc pourquoi pas. Surtout qu'il y a genre sirop de caramel, sirop de Capri Sun maintenant qui existe, bref plein de sirops bizarres mais j'ai jamais goûté. Sinon vous avez aussi par exemple, ça peut être tout ce qui est vestimentaire, des petites jupes, ce genre de choses, je dis au pif mais pourquoi pas une jupe. Des guirlandes, les guirlandes de Noël ou les guirlandes d'extérieur pour un peu le mood Noël, ou comme j'ai pu le dire tout à l'heure, oui des guirlandes d'intérieur là lumineuses avec les petites boules là en laine bizarre, ça se faisait beaucoup il y a en 2016 là en mode Tumblr, youtubeuse lifestyle, mon dieu, bad area. Et sinon j'ai marqué un coffret, alors il y a beaucoup de gens pour Noël qui offrent des coffrets déjà tout fait, des coffrets mais sur une thématique différente hein, où t'as un assortiment de plein de trucs de bouffe de Noël ou autre, mais vraiment des coffrets que ce soit sur n'importe quoi, t'en as plein, genre des coffrets où ils offrent des couteaux, où ils offrent des chocolats, où ils offrent des produits du terroir, ce genre de choses. Des verres, alors des verres dans le style genre des beaux verres bien grands, bien beaux pour soit boire du sirop, boire l'alcool, boire n'importe quoi, ou des verres un peu personnalisés, gravés et tout. Des produits faits main, oui oui, des fois il y a des choses qui sont faites main qui font extrêmement plaisir et ça on va pas se mentir, tout le monde aime les produits faits main quand c'est fait avec le cœur. Des fois c'est les meilleurs cadeaux de Noël, ça coûte rien, pratiquement rien, mais c'est le cœur qui y est donc ça vaut tellement. Un truc pour énerver les gens, des casse-têtes, oui oui les casse-têtes chinois c'est très compliqué mais au moins c'est un petit truc qui peut t'aider, genre tout ce qui est Rubik's Cube, les petits jeux en bois et tout ça, c'est un truc intergénérationnel. Désolé, les Lego, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Moi j'en avais quand j'étais petite mais honnêtement les Lego, t'as une passion pour les Lego, pas forcément y jouer mais juste assembler des jeux d'assemblage comme ça, donc peu importe l'âge tu kiffes. Et pour terminer, un petit restaurant où tu offres, tu vois, genre un petit week-end, une petite suite, mais juste des fois de faire un petit restaurant avec ta famille, avec tes proches, je crois que c'est les meilleurs cadeaux parce que tu passes un bon moment, tu manges un truc que t'aimes le peuple, honnêtement. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé, si ce n'est pas fait comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui s'affichent en description. Et quant à moi je vous souhaite bien des bons vlogmas, c'est à dire que pendant 24 jours du 1er jusqu'au 24 décembre vous aurez une vidéo par jour, tous les jours à 17h50, retenez bien l'heure s'il vous plaît, j'ai trop hâte et j'espère que vous serez nombreux et que cette vidéo vous aura aidé, dites moi en commentaire si ça vous a donné 2-3 petites idées. Bref, sur ce, on se retrouve demain à 17h50 pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Chanisa chérie, bisous bisous.